Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si votre famille et tous vos proches se portent bien, et bien tant mieux. Aujourd'hui, on est là pour ouvrir un nouveau colis mystère. Et aujourd'hui, on n'est pas qu'avec Lia, mais il y a Momo également qui voulait y participer parce qu'il kiffe ouvrir des petits colis mystères. Alors sachez-le, au début, j'ai ouvert le carton, donc celui-ci, j'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur de ça, bien sûr. Je n'ai pas vu encore ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai juste ouvert le carton parce qu'au début, j'ai cru que c'était du matériel pour mon ordinateur. Parce qu'il faut savoir que mon ordinateur, j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pièces et il en manque 3. Voilà, donc il manque 3 pièces de mon PC pour pouvoir le monter. Et j'ai cru que cette pièce, c'était celle qui allait faire en sorte qu'il m'en manquait que 2. Mais il m'en manque encore 3. Et c'est une box que mon partenaire m'a envoyée, que Woodbox m'a envoyée. D'ailleurs, je crois que la dame de Woodbox m'a fait un code spécial pour mes abonnés. Elle m'a fait un code très très spécial pour vous. Normalement, sachez-le, les box coûtent 20€. Et avec mon code, et je les remercie, ils ont fait ça pour moi et pour vous les frères et sœurs. Avec mon code GM13, donc 13, 1 et 3, donc GM13, 1 et 3, sur leur site, vous pourrez avoir moins 5€ sur votre box, alors que la box fait 20€. Bien vu Momo, très très bien. Donc elle fera 15€ d'après les calculs. Voilà, hey, il est là hein. Bref. Et sachez-le, c'est très important, des fois dans leur box, ils te donnent ce qu'on appelle des pop. Et un pop au magasin, tu peux aller voir rien que le pop seul. Pour ceux qui connaissent à mon avis les figurines et les pop, un pop tout seul coûte 20€. Je vous dis même pas le prix normalement d'un t-shirt comme ça, ça doit coûter à peu près dans les 10-15€ aussi. Donc voilà, vous faites très vite le calcul et ça dépasse largement les 20€. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette box en espérant qu'il y a du lourd. Mais comme je vous ai dit, en tout cas pour ceux qui veulent aller acheter des box, n'oubliez pas le code GM13, donc 13, 1 et 3. Comme ça vous aurez 5€ de moins et ça fera toujours plaisir parce que dernièrement je sais qu'il y a des abonnés qui sont allés acheter des box et malheureusement vous avez payé 20€, et ben là vous allez pouvoir juste payer 15€. J'espère que ça vous plaira. En tout cas voilà, j'ai essayé de demander pour vous si je pouvais avoir quelque chose et elle a vraiment été gentille. Elle a vu que vous avez kiffé la vidéo, elle m'a dit écoute, je vais essayer de te faire un code spécial pour que tes abonnés payent 5€ de moins. Voilà, donc pour ceux qui voudront aller se procurer des box, ça sera en description que ça se passe. Voilà, alors c'est parti, on va hop. J'ai une caravane. Ouais, c'est une petite caravane. Je vous montre. Ah, derrière, il y a le derrière de la caravane et tout. Ouais, l'avant de la caravane, hop. Le toit de la caravane avec un slip. Montre. L'arrière. Il y a un slip. Bon, t'es prêt, Momo? Ouais. On y va. On meurt pas, vas-y. Alors, attends. Hop. Voilà. On va commencer par. Bah, ça, c'est le livre. Voilà. Hé hey. Regarde pas le livre. J'ai peut-être raison, c'est peut-être Breaking Bad, non? Bon, on va commencer un truc par un truc tout petit, tout minuscule, tout bête. Alors. Ah, bah oui, c'est Breaking Bad. Putain, je te l'ai dit, bébé, regarde. Walter White, ma gueule, Walter White. Vous le connaissez normalement, hein. On a tous grandi avec Malcolm. Logiquement, ce mec-là, vous le connaissez. C'est obligé que vous le connaissez, les gars. Allez, ça fait plaisir. Donc j'avais bien raison bébé, quand je l'ai vu tout à l'heure quand on a reçu le colis ce matin, je lui dis, ça se voit, on dirait la caravane de Breaking Bad. Et vu que lui au bout d'un moment il était en slip, forcément, non ne regarde pas. Là il y a un gros carton, là il y a un gros carton intérieur, hein, j'ai envie de le prendre mais... Momo qui kiffe lire. Oh, mon One Punch Man. Un. Merci beaucoup, oh, ça fait plaisir ça par contre. Momo il aime bien lire. Moi je vous avoue je suis pas trop lecture. Ça serait vous mentir si je vous disais ça. Momo lui kiffe lire. Je vais lire direct. Ma petite soeur Norian aussi elle kiffe lire. Donc elle voilà. Oh, c'est bien. Un petit livre. Hop. Ça c'est sympa. Putain en plus il a l'odeur du neuf c'est. Vas-y je chope. Non ça. Hop. Ah tu veux choper toi le prochain. Oh pop. Yes. Bah bébé c'est la nouvelle série qui est sortie. Suicide Squad. C'est la nouvelle série qui est sortie. Hier en plus, justement hier, j'ai fait un snap sur ça justement hier. Regarde, c'est trop stylé. Ça, je kiffe, tu vois. On a eu un personnage principal en plus. Ah ouais, oui, c'est la meuf là, c'est la... Celle qui est un peu dérangée du cerveau là. Ça, c'est nickel. Ah. Ça, c'est nickel. C'est de la bombe. Deadshot, c'est Will Smith. Voilà. Oh là là, elle est trop belle. Attendez, je vous la sors parce qu'elle est vraiment trop belle. C'est trop stylé. Elle a la couleur de cheveux rouges ou quoi?
Elle est magnifique. Elle a une tête, par contre. Ils l'ont très bien fait. Ils l'ont vraiment très très bien fait. Il y a le petit tatouage sur le côté et tout. Ouais, les tatouages. Ouais, le tatouage sur le côté et tout, là. Il écrit quoi? Route. Elle est vraiment très très belle. Bah, elle ira super bien dans ma vitrine. Mmh. Là, il faudrait que j'achète une nouvelle vitrine parce que j'ai plus beaucoup de place. Hop. Alors. Bon, vas-y, Momo, mets-la main dedans. Voilà, je joue que ça. Un t-shirt, je crois. Mmh, je crois que c'est un drapeau. Mmh. Un drapeau. Un t-shirt, c'est trop petit le paquet. Ouais. Un drapeau de... C'est pas One Piece? One Piece. Oh non. One Piece. One Piece. C'est la tête de mort de... Ah non. Non, c'est une tête de mort. Eh ben nickel, j'ai un drapeau de tête de mort chez moi, voilà, ce sera très beau, hein. C'est trop bon. Dans une chambre gaming, une tête de mort comme ça, voilà. Bah voilà. Tête de mort. Bah écoutez, j'ai un drapeau en tête de mort, bah... Ça fait plaisir. Et ah. Moi je peux choper un truc? Vas-y, chope un truc. Bah de toute façon je crois qu'il reste un truc. Ah, il est là le t-shirt. Le plus intéressant de tous. Le t-shirt. On va l'ouvrir quand même. Et c'est parti. Un masque. Non, le t-shirt, ça part d'être Suicide Squad. Montre. C'est quoi ça? Je sais pas trop ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Il y a marqué Lord of the Ring. C'est sûrement un jeu ou quelque chose comme ça. Ouais, sûrement. Il y en a qui savent, les frères et sœurs, n'hésitez pas à nous le dire. Ça doit être une série, non? Je sais pas. Voilà, attends, c'est tout ce qui reste. Oh, déjà? Ça, c'est quoi ça? Room. C'est des autocollants. Non, moi j'aime bien les autocollants en ferraille, tu vois, pour le mettre sur le frigo. Mais ça, comme ça, ça abîme le frigo après. C'est Doom. Donc voilà, il n'y a plus rien. Voilà, c'est un petit autocollant Doom. C'est sympatoche, hein, toujours. Si vous avez une armoire sur laquelle vous mettez des autocollants ou quoi. Donc voilà, il n'y a plus rien. Cette box est finie. Bah écoutez, alors. Déjà, je vous explique vraiment honnêtement. Je pense que pour les amateurs de pop, vous savez que celui-ci fait déjà à peu près, autant que pop, 20 euros. Donc rien que ça, normalement, dans un magasin, ça fait le prix de la boîte. Rien que ça, ça fait le prix de la boîte. Donc on a reçu un petit pop, voilà. Suicide Squad, qui est vraiment très très beau, je le répète, vraiment très très beau et vraiment bien fait. Après, on a eu, deuxième chose, un livre. Un manga. Troisième chose, un... Comment on peut appeler ça déjà? Un Pimps. Un Pimps. Troisième chose, un Pimps. Quatrième chose. Un drapeau. Un drapeau. Des Suicide Squad. Cinquième chose. Un t-shirt. Un t-shirt. Et septième chose. Non, sixième. Sixième chose. Un autocollant. Doom. Exactement. Et le drapeau, ouais, on l'a dit. Hein. Ouais, t'as souvent tout dit. Le drapeau, on l'a dit. Alors, attends, je vais juste voir. C'est ça le livre, non? Ouais. Ah, t'avais le choix entre ça et ça. Voilà, donc on avait le choix pour choper normalement. Le Joker ou la fille. Voilà. La fille. Le Joker qui était vraiment très très beau aussi. Ah ouais. C'est un nouveau Joker un tout petit peu. Il y avait aussi Katana, la femme, la japonaise. Et il y avait aussi Will Smith là, Deadshot. Il aurait pu être sympatoche aussi à voir. C'est marqué ici que la valeur est de 15 euros. Ah ouais. Alors que moi personnellement, je les achète pas 3 à 15 euros. Après, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Il y a des spéciales, hein. Il faut savoir qu'il y a des spéciales. Des séries, on va dire entre guillemets limitées, qui coûtent 25 euros. Ça dépend des pops. Ça dépend. Il y en a même à 30, 35, ça dépend. Ça dépend réellement. Le drapeau qui fait 5 euros. C'est ça qu'on a reçu. Donc là, on a reçu le livre. Qui vaut 6,80€, plus l'autocollant qui coûte 2€, plus le Pimps qui coûte 3€, plus le t-shirt qui coûte 20€. Normalement seul. Voilà. Voilà. Donc on a tout reçu. On a tout reçu. Ça dit le mois prochain, il y a une petite forêt. Je sais pas si c'est quelque chose qui a à voir avec une série ou quelque chose qui se passe dans la forêt.
Je sais pas. Peut-être. Bref, les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. On va quand même mettre le t-shirt. On se retrouve tout de suite quand même avec le t-shirt avant d'arrêter. Et donc, me voici avec le t-shirt. Et il me va vraiment super. Je vous montre. Nickel. Nickel. Vraiment très très bien. Ah ben voilà, en tout cas, les frères et sœurs, je vous remercie. J'espère que cette vidéo, en la compagnie de Lia et en la compagnie de Momo, vous aura plu. Merci à Lia de ta présence. Mais de rien. Et merci à Momo, mais je dirais pas de ta présence parce qu'il s'est un peu invité entre guillemets. Hein, voilà. Mais bienvenue à toi quand même et merci pour cette vidéo, merci d'avoir été là. C'est vrai que la prochaine fois, je vous laisserai quand même ouvrir plus de choses. Parce que d'après mes calculs, il y a 6 trucs dans un carton. Et s'il y a 6 ou 7, pour moi, je devrais plutôt en ouvrir 2 la prochaine fois. 2 pour toi et 2 pour toi. On fera comme ça pour la prochaine. D'accord? On en ouvrira, on prendra quelque chose, chacun à son tour, ok? Bref, j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo. Si elle vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à la partager, la commenter et à vous abonner pour plus de vidéos. On vous dit en tout cas, prenez soin de vous et de votre famille. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Tchuss!